Durant des siècles, la pratique du portrait peint était réservée aux grands de ce monde. Souverains, monarques, empereurs, membres d'une famille royale, se faire portraiturer impliquait nécessairement d'être issu d'une catégorie privilégiée de la population. À cet égard, la seconde moitié du XVIIIe siècle constitue un tournant. Avec l'avènement de la bourgeoisie, le portrait se démocratise peu à peu. Et il est désormais courant de se faire figurer dans un moment d'intimité, un moment de la vie quotidienne, entouré de ses proches. D'autres médiums, comme le dessin ou la miniature, moins coûteux que la peinture, se développent également à cette période. En 1821, Jacques-Louis David réalise le portrait des deux filles de Joseph Bonaparte, Charlotte et Zénaïde. À cette période, David est plutôt à la fin de sa carrière. Il a déjà une grande carrière derrière lui. Il a réalisé des commandes prestigieuses pour l'Empire et c'est un proche de la famille Bonaparte. Joseph, après la chute de l'Empire, est allé s'exiler aux États-Unis, alors que sa femme et ses deux filles vivent à Bruxelles. David fréquente leur salon et dispense des leçons de dessin à Charlotte. C'est sans doute pour cela qu'il réalise le portrait des deux sœurs, un portrait qui était probablement destiné à leur père. Il a également réalisé deux répliques de ce tableau, l'une conservée à Rome au musée Napoléonico et l'autre à Toulon. Assises l'une contre l'autre, les deux sœurs arborent d'élégantes tenues. Zénaïde, l'aînée, porte une robe en pierre de couleur sombre, agrémentée d'un châle brodé, tandis que Charlotte, la plus jeune, porte une robe grise à manches longues. Toutes deux sont coiffées de tiares dorées et sont assises sur une banquette qui porte l'abeille impériale. Néanmoins, leur posture demeure assez informelle. L'aînée a abandonné la lecture de la lettre qu'elle tient de la main gauche, et toutes les deux regardent en direction du peintre en s'enlaçant tendrement. Charlotte a un regard timide et timoré, tandis que Zénaïde a un regard franc et décidé, et une posture, une gestuelle protectrice. Malgré le format important de la toile, rappelons que le tableau mesure 1,30 m sur 1 m, le luxe du décor et des costumes. Ce qui est remarquable dans ce tableau, c'est la signification personnelle et intime de la composition. David, ici, associe les codes du portrait officiel, avec la référence explicite à l'Empire, à un décor luxueux et raffiné, à une évocation d'un moment de complicité et d'intimité entre deux sœurs. Ce n'est pas la première fois que David mélange ainsi les codes du portrait officiel et du portrait privé. Dans les derniers mois de l'Ancien Régime, il avait déjà fait sensation en réalisant le portrait des époux Lavoisier, dans lequel il mêlait la démonstration de la réussite sociale du couple à l'évocation de leur amour conjugal. Dans le portrait des deux sœurs, le détail de la lettre rend la scène particulièrement touchante. Elle porte en haut à droite l'adresse de Philadelphie, où résidait Joseph, et suggère ainsi que les deux sœurs avaient l'habitude de se retrouver pour lire les missives de leur père absent.